L'école publique d'application de Bibémiré, un établissement qui donne aux enfants l'opportunité d'apprendre, d'accéder à une éducation fiable et prometteuse avec une équipe d'enseignants dynamique et très dévouée. Cependant, les conditions d'apprentissage et sécuritaires sont déplorables. Insuffisance de tables, bancs, certaines salles de classe en état de délabrement avancé. Nous constatons que cette école a besoin beaucoup plus de tables, bancs, de la sécurisation, parce que cette école n'a pas de gardien. Il est difficile, vous savez, pour les élèves d'être assis à même le sol et de recopier leurs cours. Cela a un impact négatif, d'abord sur la prise de cours et ensuite sur leur confort personnel. C'est donc fort de ce constat que l'ancien élève de l'école publique d'application de Bibémiré vole au secours de cet établissement. Le docteur Amadou Sadaouna, soucieux du bien-être des élèves ainsi que de l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage, offre 150 tables bancs à cette école. J'ai passé mes 6 années ici. C'est là où nous avons tout appris. Nous sommes venus pour encourager nos jeunes enfants qui se trouvent dans des conditions un peu difficiles pour les études. Pour un parent, quand l'enfant ne va pas à l'école, il n'est pas tranquille. Donc c'est une question de stabilité, de sécurité et de paix dans la nation qui nous amène à venir ici pour encourager nos frères et sœurs. Le donateur n'est pas son premier geste. D'autres allant dans le même sens ont déjà été posés et faisant de nombreux bénéficiaires. Pour le directeur de l'école publique d'application de Bibémiré Groupe 2, cet élan de solidarité va considérablement améliorer les conditions de travail tant côté élèves qu'enseignants. Nous sommes vraiment très contents du fait que la MICA des anciens élèves, par leur entremise, a permis que le directeur général de la SIC puisse venir nous donner ses bancs. Vraiment, nous lui sommes entièrement reconnaissants et nous sommes vraiment contents. Ça va vraiment avoir un impact positif sur l'éducation de nos enfants. L'amicale des anciens élèves et sympathisants de l'école publique d'application de Bibémiré, conduite par son président, a tenu à rappeler le rôle et le but poursuivi par ce regroupement. Notre apport est multiforme. D'abord, notre objectif, c'est de venir en aide à nos enfants, à nos petits-enfants qui sont assis à même le sol et en table-banc. Et puis de primer aussi les meilleurs élèves, ce que nous avons eu à faire depuis la création de l'association. Chaque année, nous venons en aide et nous primons les meilleurs élèves. Le docteur Amadou Sadaouna en a profité de l'occasion pour visiter l'école et voir de près la situation. Et nous allons envoyer des techniciens pour venir faire un devis, autant estimatif que descriptif, pour faire comprendre quel est le besoin réel de l'école Bibémiré. De sécuriser aussi, parce que le directeur venait de me dire qu'il y a eu des cas de vol, même des tôles nouvellement installés par la commune de Garoua 2e. Mais il faut sécuriser, parce que sans sécurisation, on peut tout perdre, y compris les nouveaux bancs qu'on va mettre là. On ira la prochaine fois dans d'autres annexes pour aussi faire le même geste, pourquoi pas chaque 3-4 mois. Une assurance qui vient ainsi galvaniser le corps enseignant de l'école publique d'application de Bibémiré.